On est à l'Institut national des jeunes sourds aujourd'hui. Alors pour comprendre un peu l'histoire, l'Institut national des jeunes sourds, et je pourrais le résumer en disant que c'est une sorte de CFA, mais bien évidemment réservé aux sourds et malentendants. Et si on est là aujourd'hui, c'est tout simplement parce que chaque fin d'année, il y a le show de l'Institut national des jeunes sourds, où ils mixent, où chacun, tous les corps de métier travaillent ensemble, et ils mixent pour créer un événement, un show qui chaque année porte un thème. Et cette année, le thème, c'est le cirque. Et tout l'Institut national participe à la création de ce show. Majoritairement, ce sont des jeunes qui, finalement, je m'en rends compte, peuvent travailler en salon de coiffure. Et ça, c'est la chose la plus importante, parce que c'est aussi ça, l'intérêt d'un show comme aujourd'hui, c'est de montrer aux parents qu'ils sont capables de faire quelque chose. Donc, c'est leur donner de l'espoir, et c'est leur donner un avenir, parce que c'est important. Et on sait très bien travailler, même quand on est sourd. On a vu ensemble les vêtements, c'est juste incroyable, et les coiffures, c'est incroyable, ils sont en première année et ils font quand même des choses magnifiques. Et puisqu'on se pose la question du diagnostic, etc., il y a quand même beaucoup de choses qui passent par rapport aux photos. Donc ça, c'est génial, Internet, c'est quand même Facebook, etc., on peut voir des photos, le regard, le sourire, le toucher, on arrive vraiment, on arrive à se faire comprendre. J'en ai repéré deux, trois, il y en a une en particulier où je me suis dit, vu comment elle réagit, elle voit tout, parce qu'en fait, ils n'ont pas les mêmes sens, donc leur vue est très développée, par exemple, et elle voit tout, donc du coup, elle est hyper réactive, elle comprend tout. Et quand je l'ai vue évoluer ce matin, je me suis dit, bah dis donc, si dans mon salon, ils étaient tous comme elle, et ils sont déjà vachement bien hein, dans mon salon, mais ils seraient vachement mieux. Voilà.